Yo tout le monde, comment ça va? Il y a quelques jours, je vous avais parlé du fait que j'avais commandé plusieurs objets qui sont en ma possession actuellement. Dedans, on a trois cartes. C'est des habitants, en gros. Les habitants que je vais avoir en carte, là, bah, je vais pouvoir les mettre dans le jeu. Et donc, dans ce paquet, par exemple, on peut avoir, pour ceux qui connaissent un peu les persos, on peut avoir Ramsès, c'est le chien en mode momie. On peut avoir Stéphane, ou Stéphane, je sais pas comment on dit, mais l'espèce de petit, bah, le fan, tout simplement. Est-ce que vous êtes chaud dans le chat? Oh, Rizetti! Oh! Pour tous ceux qui l'ont eu sur DS. En vrai, c'est l'équivalent d'un Messi dans un pack FIFA, je pense. 3, 2, 1... Oh, oh, on l'a pack. On a Rosy. Oh, ça me fait plaisir. Avoir Rosy en carte comme ça. Et le dernier, c'est qui? C'est... Oh, Katrina. Oh, elle, si je peux l'avoir dans mon village, je la prends direct. Oh, on a Marie. 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 3, 2, 1, boum. Ok, on commence par qui? Oh, oh mon dieu, on l'a! Ramsès est là! Yes! Il part sur le village directement. Oh là là, je suis refait. C'est un de mes objectifs. Attendez, genre, oh, je suis trop content. Oh mon dieu, oui! Oh, ce booster! Ce booster est incroyable! Napoléon! J'ai la pression, je veux Stéphane. Mec, il y a une pression qui s'installe. Alors que c'est une ouverture de booster. On ouvre des cartes et je suis plus stressé que si je passais mon bac. Le premier, Pango. On a plus qu'une chance sur 3 d'avoir Stéphane. C'est Loupa! Ok, c'est Jack. Il ne reste plus qu'un booster. C'est pas grave au pire. Tu te rends pas compte de la situation? Oh non. Non, il reste plus qu'une carte. Derrière ça, se cache peut-être Stéphane. J'ai les mains moites, j'arrive même pas à enlever la carte. Oh non. Oh, on a pas eu Stéphane. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Oh, attendez, déjà. Oh, petite lettre de ma chérie, petite lettre de Tommy et petite lettre de Kat. Ça doit être suite à son anniversaire pour Kat. Salut Théo, quel cadeau du tonnerre tu m'as envoyé? T'as tapé dans le mille, ça veut dire que c'est à mon tour de t'envoyer quelque chose qui te retournera la tête. Qu'est-ce qu'elle nous a offert, Rosita? Je suis tout content quoi, c'est les premiers échanges amoureux entre Rosie et moi quoi, officiel. Des montures de mille-lune. C'est totalement mon style. Bon, non, en vrai, j'adore. Je vais les porter parce que c'est tellement moi, ça me représente tellement, je trouve. Moi, j'ai peur de Tommy parce que souvent, quand il m'envoie des cadeaux, pour le roi des faux frérots. Tu voulais dire le roi des pirates, je crois. Oh, mais non, il m'a envoyé le chapeau de paille de Luffy. Il est trop gentil. Oh là, le combo lunettes plus chapeau de paille, je suis tellement... Oh, mec, je suis full swag, là. Qu'est-ce qu'elle m'a offert, Kat? Une grenouille à table. En fait, attendez, en fait, je suis habillé comme une merde, c'est ça, vous avez décidé de me relooker. D'accord. Bon bah, Kat, hein, toujours personnage insupportable de mon île, est-ce que je vois? Il s'agit de la mime de Ramsès, oh là là, c'est trop bien, j'adore! Et le frérot qui est là, oh, il est tellement swag. Tu comptes vers qui pour faire venir Ramsès? Pas Emilien, j'espère. Bah, sans hésiter, hein, c'est le frérot Emilien qui part. Je suis désolé, hein, mais Emilien, Emilien. Regarde-le, le charreau. Quand je vous dis qu'il drague toutes les meufs de la ville, c'est un charreau avec son chapeau là. Il cache bien son jeu. Hein. Il faut que tu m'attrapes trois gros poissons à la suite. Ah, nique-toi, Pollux, toi je vais te retenir à vie de ma mère si tu pars, t'es mort. Ok, ça c'est gros, vous pensez? C'est assez gros? On va tester. Je me concentre, je ferme les yeux. Fermer les yeux ne suffit plus apparemment. C'est mort, vous croyez pas en moi? Je vais vous montrer ce que c'est un super pêcheur. Oh! J'espère que c'était pas la suite. Et de. Oh, quel con! Tu l'as fait. Excuse-moi, tu viens de me prendre en photo là, je crois. T'es un abonné en fait. C'est Pollux le fanboy. Putain, je me fais draguer, j'espère que ma meuf elle va pas voir ça quoi. Hein? De quoi je suis bête? Ah oui, c'est toi, c'est vrai, qui me l'a envoyé. Quoi? Mais non, je suis pas bizarre. J'ai eu peur que. Bah, c'est une habitante dans le jeu, tranquille, genre zéro. On est sur un projet là dans le village. Pour l'extension du musée, on a décidé nous-mêmes de se réunir pour les. Merci Paléolena pour les 100 bis. Rosy, c'était sur le live, c'est pas vrai. Hein. Je suis pas en couple. Enfin, je suis en couple avec toi. Non, ouvre pas ton île. C'est bon. Oh, qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu lui souris comme ça là? Hé hey, yo, c'est à moi que tu. Pourquoi tu t'arrêtes de sourire quand je me mets devant? Non, mais ils m'ont prévu une surprise. Regardez. C'est marrant, je suis aussi venu voir Rosy. Les grands esprits se rencontrent. Ramsès, il va prendre la place de Phébus. Dégage de là maintenant là. Tiens, regarde, je te montre où elle est la sortie. A plus frérot, dégage. Je l'ai invité à voir ma collection de fards à paupières. Eh oh, moi tu m'as jamais invité chez toi. Mais il fait grave chaud ici. Wow. Je suis vraiment contente de vous avoir ensemble chez moi. Ah ouais, c'est un pote quoi. Moi t'es plus contente, je pense. Eh Théo, regarde un peu Rosy, elle a l'air de drôlement s'amuser. Mais il se fout de moi là. Qu'est-ce que tu veux? Mais dis, parle-moi mieux, je te démarre. T'es aussi venu rendre une petite visite à Rosy? Bah ouais, c'est ma meuf.
Non. Attends, quoi? Non, mais parce... Ah, mais toi, tu relèves tout ce qui traîne, là. Mais tu prends tout au premier degré, c'est chiant, je suis... C'est des vannes. Non, mais Rosie, c'est pas ce que tu crois. Attends, on confond tout. Bien sûr que je t'aime, ma puce. Ah ouais. C'est compliqué à gérer cette situation. Mais il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de chanter. Pourquoi tu fais le coq comme ça? Je peux même pas aller... Elle fait barrière avec son corps. Mais c'est incroyable ce qui se passe là. C'est l'occasion idéale pour discuter un peu. C'est quoi ce délire? Donc moi je suis là et c'est pas l'occasion idéale. Mais il se pose comme s'il était chez lui. Non mais là c'est trop. Là c'est un affront. Mais à quoi on assiste là? T'as 10 secondes pour bouger. Si tu bouges pas au bout de 10 secondes, c'est que tu m'aimes pas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, allez joueuse, allez joueuse. 4, 3. Attendez, je remercie des subs. Merci, je merci Shiseki pour ses 100 bits. Merci Sashimi pour ton sub. Pour son sub. On reprend le compte à rebours. 3. Merci beaucoup Sizou qui vient de se sub. Putain, Sizou, ça fait grave longtemps, mon frérot. Putain, attends, je suis désolé, j'étais en train de faire mon compte à rebours, mais malheureusement, il est mis en pause pendant ce laps de temps. Sizou, gros, tu viens de rejoindre l'équipage, ça fait trop plaisir. 2,5, je disais. 2,5, on était à 2,5, je crois, ou 3. Ah, je sais plus, dans le doute, 4. 3. Oh, dis donc, mais qui vient de se sub? Nonox qui vient de se sub. Le vrai Nonox. C'est pas possible! À l'ancienne, on était au lycée ensemble, je me souviens! Mais les gars, c'est dingue tout ce qui se passe, elle va pas bouger cette puce, c'est dingue! Je vais la monter en l'air, elle veut pas avancer! Putain, merci beaucoup les gars! Elle bouge pas trop et lui il se cache derrière elle, hein. C'est en train de me tendre. C'est une blague là ce qui vient de se passer ou pas? Au moment où je suis parti, elle a souri, elle s'est tournée vers lui! Attends, ils sont en train de me prendre, je pense qu'ils vont me dire que c'est une blague. Mais ça va aussi là, t'es son petit chien ou quoi? Non, je suis pas friendzone. C'est un jeu de séduction qu'on a entre elle et moi. Parce qu'en gros, elle sait que je suis jaloux. Elle instaure un climat de jalousie pour que ce soir, on s'embrouille et qu'il y ait réconciliation après. Voilà, c'est pour ça. Je sais très bien au fond de moi que jamais elle me trompe. Oublie Phébus, ce fils de pute. Attendez, avant, je vais aller voir chez Phébus, savoir s'il est rentré chez lui. Ah, il est chez lui. Vous avez vu ce charisme? Phébus, il s'est chié dessus. Et là, je me retrouve seul à seul avec Rosie. Là, je mets le cœur brisé. Et là, elle est triste. Et là, c'est le moment où je vais lui reparler. Et elle va se dire, ah, j'ai peut-être été un peu trop loin dans mon délire. L'autre jour, Ben m'a dit... Ben, tu parles à Ben aussi? Ah, elle déconne. Elle déconne, c'est juste, elle est méga pote avec, quoi. De quoi, Ben? Y'a un problème, Ben? Pour rien te cacher, je trouve que n'importe quelle coiffure tirait super bien. BAM! Elle est en train de me dire, en gros, que peu importe, je suis beau gosse, quoi. C'est trop bizarre, les gens n'arrêtent pas de me donner des paquets de mouchoirs. Qui ça? C'est qui donne des mouchoirs? C'est Ben? Oh Théo, il y a un truc qui me trotte dans la tête depuis un moment. Tu m'excuseras, mais j'ai besoin d'un peu de temps tout seul pour y réfléchir. Reviens plus tard. Aïe, oh. Je vais me prendre un stop. Oh mon dieu, j'ai fui. Rien ne va aujourd'hui, rien ne va. Phébus, Ben, les mouchoirs, le stop. Je vais essayer de la faire rire. Si je mets mon masque, vous pensez que ça passe? Si elle va pas bien, c'est de mon devoir de lui redonner le smile. Ah, d'où tu sors? Je croyais que tu étais un vampire ou un paparazzi. De toute façon, les deux sont quand même plus ou moins... Pff, ouais, en fait, cette blague est trop évidente. C'est quoi le point commun? Il suce? J'ai pensé à la même chose. Elle dit que je suis un suceur, là, en fait. Bref, j'étais en pleurs, réfléchissement intérieur, on se voit plus tard, plutôt. Elle est plus dans la tourmente. Et ça me fait plaisir, mesdames et messieurs. Allez, vous savez quoi? On va la laisser tranquille. Pour mieux se retrouver, il faut parfois mettre de la distance. Comme ça, on est encore plus heureux quand on se retrouve. Toi, là, vie de ma mère, tu fais quoi? Je sais pas trop ce qui t'a poussé à rentrer, mais bon, on va dire que t'es bien... C'est quoi cet accueil là? Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Allez hop, ciao. C'est le prochain à sauter dans le village, je vous le dis hein. C'est terminé là, il y en a marre d'être pris pour un con. Je veux bien être sympa mais ça va 2 minutes. Bébert, t'as une chance pour me convaincre de te laisser sur l'île là. J'aime bien les promenades moi, comme ça mes pieds s'ennuient pas. Il dégage, allez hop. Ça dégage aussi. Flèche, t'as quoi pour ta défense? Dis-moi ce que tu veux, ce que t'as. Défends-toi. Viens papoter avec moi à l'occasion, j'ai des paquets de bonbons gros comme ça à partager. Voilà, Flèche, il est cool. Dis-moi ta couleur préférée, je te dirai quel aliment tu es. Voilà, là c'est un habitant qui a. Voilà, là je l'ai. La Flèche il reste. Le orange. Si tu étais un aliment, tu serais un oignon. Pourquoi tu rigoles là? Par contre, il se fout de ma gueule là. Il vient de dire que j'étais un oignon, frère. Le facteur a livré un paquet destiné à Rosie chez moi pour je ne sais quelle raison. Non, attendez. Qu'est-ce qui se passe là encore? Toujours est-il que j'ai ce paquet qui reste chez moi alors qu'il n'y a rien à faire. Laisse-moi le livrer. Donne-le, c'est ma go après tout. Il n'y a même pas d'histoire de livraison. Juste, je rentre chez moi et je lui donne le paquet quoi. C'est pour toi. T'as un truc pour moi, bien sûr, j'ai un truc pour toi. C'est moi qui te l'ai offert en plus. Quoi? Mon colis est arrivé chez Salami? C'était méga sympa de ta part de faire un détour pour m'apporter ça, Théo. T'as bien mérité que je te donne un petit truc pour te remercier. Un petit bisou. Elle me donne un objet en prime, elle me fera un bisou en off tout à l'heure. Tu repars avec un transat de piscine, voilà. Moi, je suis sûr que c'est exactement ton style. Bah, c'est exactement mon style en fait. Tous les jours, je me lève et je me dis putain, qu'est-ce que j'achèterai un transat de piscine? Moi qui vis en appartement. On est fait l'un pour l'autre. Décidément, tous les signes concordent. J'ai le sentiment que c'est vous qui êtes jaloux de notre relation en fin de compte. Tous ceux qui disent que Rosie me trompe. En tout cas, sachez une chose, c'est que c'est que le début de nos aventures. C'est une longue histoire d'amour qu'on s'apprête à vivre avec Rosie. Je vous fais des bisous les gars, on se dit à très bientôt. Prenez soin de vous. Des bisous. À la prochaine.